Bonjour, je m'appelle Nicolas Thibault, je suis responsable du système d'information chez Red et plus particulièrement de sa sécurité. Chez Red, je suis en charge donc de l'infrastructure informatique interne et externe. Donc c'est tous les outils qu'on va utiliser en interne, mais également tous les logiciels qu'on va développer pour nos clients, qui vont être installés chez nos clients. Nous, on travaille principalement avec des producteurs de tomates, de fraises, de concombres, d'aromatiques, mais également avec des centres de recherche. On les accompagne en fait dans l'élaboration de la meilleure recette lumineuse pour leur culture, à savoir en gros diffuser le meilleur spectre à la meilleure intensité, au meilleur moment, donc pour la plante, que ce soit sur son stade de développement ou pour les différents types de cultures. Non, ça permet pas encore de bronzer. Il faut savoir que chaque luminaire, chaque capteur est connecté. Il communique des données en permanence à un ordinateur central qui derrière analyse les données et qui répond donc par exemple aux lampes pour leur donner les meilleures consignes lumineuses par rapport aux données collectées. Toutes les données récoltées nous permettent d'optimiser en permanence les solutions qu'on développe et qu'on propose à nos clients avec de l'intelligence artificielle qui va justement analyser, traiter ces données et optimiser les résultats sur les cultures. Alors, ce que je trouve très intéressant en tant que directeur de système d'information, c'est vraiment que j'interagis avec l'ensemble de la société parce que l'outil informatique est présent vraiment de partout. Je sais que je vais aider par exemple mes collaborateurs en leur mettant en place de nouvelles solutions pour les aider à optimiser par exemple leur travail, mais je vais également travailler sur la conception et le développement de solutions qui n'existent par exemple peut-être pas et qu'on proposera dans le futur à nos clients. Mon parcours, il se résume rapidement en une école d'expertise informatique sur laquelle j'ai fait une spécialisation en cybersécurité au travers du laboratoire de sécurité de mon école. Moi, pour le coup, j'ai pu travailler en Asie, notamment à Singapour pendant plusieurs années pour différents types de sociétés, que ce soit des petites sociétés ou des plus grosses sociétés, voire des sociétés industrielles. Trois valeurs, je dirais, donc l'ouverture, la curiosité et la rigueur.